Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Dirigeants et Managers, dans lequel il sera question des Gemba Walks ou des tours de terrain spécifiquement pour les dirigeants et managers, et en particulier avec cette question: peut-on visiter votre discours? Je suis Christian Oman, bienvenue à bord. Dirigeants et managers, je présume que vous savez ce que c'est un Gemba Walk ou tour de terrain, à quoi ça sert, pourquoi on les fait périodiquement, régulièrement. Et il y a une mission qui échoit plus volontiers aux dirigeants et managers, c'est de vérifier si l'on peut visiter votre discours. Alors qu'est-ce que ça veut dire visiter votre discours? Il y a dans les déclarations que font les dirigeants ou les managers de haut niveau, que ce soit pour des déclarations de la direction en ce qui concerne des normes ou des déclarations plus générales, des engagements qui sont pris. Et l'objectif du tour de terrain que font les dirigeants et les managers, parmi les thématiques qu'ils vont explorer, c'est de vérifier s'il y a bien cette cohérence, si l'on va retrouver la cohérence entre les discours et la réalité du terrain. Parmi les exemples de déclarations, il y a « nos collaborateurs sont notre ressource la plus précieuse » ou « la sécurité de nos personnels est notre plus grande priorité » ou encore quelque chose du type « nous prenons le plus grand soin des marchandises qui nous sont confiées ». Imaginez que ce soit un candidat à l'embauche ou un auditeur qui vient pour un audit de qualification de fournisseur qui demande à visiter le terrain et qui, bien entendu, a connaissance de ces déclarations. Imaginez si ce visiteur, candidat ou auditeur, se rend compte d'un décalage fort entre la déclaration et ce qu'il va trouver sur le terrain. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on prône le respect de ses ressources humaines et bien des installations qui sont pas très dignes, et qui démentent l'intérêt que l'on porte à ses collaborateurs, parce que justement les installations qui leur sont destinées sont soit dangereuses, soit insalubres, ou pas du tout à la hauteur de ce que laisse entendre le discours. Pareil en matière de sécurité, est-ce que l'on retrouve bien dans les ateliers, dans les entrepôts, dans les bureaux, partout dans l'entreprise, une cohérence entre ces déclarations fortes sur la sécurité et les moyens qui sont mis en œuvre, et les moyens également tels qu'on peut les voir, qui sont maintenus, qui sont respectés par l'ensemble des collaborateurs. Et le troisième cas, le respect des marchandises. Si l'on voit que l'entreposage, le stockage n'est pas du tout en cohérence avec les déclarations très assertives sur le plus grand soin qui est pris pour la préservation de ces marchandises, eh bien vous imaginez totalement que ce candidat ou cet auditeur va repartir avec de gros doutes sur la réalité ou la cohérence entre le discours et la réalité, et il y a une perte de confiance probablement qui peut être absolument dévastatrice. Alors soit parce que l'on ne va pas attirer les candidats que l'on aurait aimé attirer, qui ne se sentent pas très en confiance et qui sentent bien qu'il y a d'une part le discours, d'autre part la réalité, ou un auditeur qui vient qualifier un candidat fournisseur et qui se dit « on nous a bien vendu des prestations et une situation, mais on ne la retrouve pas dans la réalité du terrain, donc si nous faisons affaire, quelle va être la réalité des engagements qui peuvent être pris par cette entreprise ?» Donc c'est pas du tout anodin. Pour les dirigeants et managers, la recommandation forte, c'est que parmi vos routines de tour de terrain, réservez-en un certain nombre périodiquement à vérifier si on peut bien, bel et bien visiter votre discours. C'est très important. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir d'un pouce levé. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur l'un de mes médias.